Vous aussi, vous avez entendu Télème. Bienvenue dans ce 23e épisode d'Hémiplégique, la chaîne où on essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une idée qui a germé dans la tête de 120 intellectuels en 2018, le traité démocratique européen de son petit nom, le TEDEM. Une proposition, que dis-je, une révolution. Eh oui, la ficelle est un peu grosse, mais c'est parce qu'on en parle avec Alice Noré et Aurore Viguier dans notre livre, le Manifeste des... Il est un peu à l'envers. Oui, la ficelle est un peu grosse, mais c'est parce qu'on en parle avec Alice Noré et Aurore Viguier dans notre livre, le Manifeste des 10 révolutions, que vous pouvez commander pour 7€ dans toutes les bonnes librairies ou sur internet, je vous mets les liens dans la description. On l'a vu dans les vidéos précédentes consacrées à l'Union européenne, la démocratie est un angle mort de la construction européenne qui s'explique notamment par l'inspiration ordolibérale des pères de l'Europe dans les années 50. Si vous voulez réviser un peu comment fonctionne l'Union européenne, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo hors sujet que j'ai faite sur ces institutions, je vous mets le lien dans la description aussi. Ça fait même pas 2 minutes que la vidéo a commencé, j'ai déjà calé une pub pour le bouquin et 2 pour les vidéos précédentes, je tiens le rythme. On l'a déjà dit, pour améliorer la démocratie au sein de l'Union européenne, c'est un peu compliqué. Déjà, il faut concevoir les nouvelles institutions, leur rôle, leur fonctionnement, leurs modalités de désignation, etc. etc. C'est du boulot, mais surtout parce que une fois que c'est fait, et qu'on a réussi à concevoir le meilleur système, ou du moins le pire système à l'exclusion de tous les autres, il faut le faire adopter. Et pour ça, il faut en passer par l'unanimité des États membres, ce qui est très compliqué. On l'a vu par exemple en 2005, puisque les Pays-Bas et bien sûr la France ont rejeté le traité constitutionnel européen. Bon, dans les faits, ensuite, ça a donné le traité de Lisbonne 3 ans après, que Nicolas Sarkozy a fait valider par le Parlement, plutôt que de risquer un nouveau rejet par référendum, pas fou le type. Mais n'empêche que c'est un processus lourd et long, et qu'il serait plus pertinent de trouver une solution pour faire progresser la démocratie sans tout casser. C'est là qu'intervient le TEDEM. La proposition, qui a été pilotée par Stéphanie Hennette, Thomas Piketty, Guillaume Sacriste et Antoine Sauchez, est simple. Il s'agit de créer une assemblée européenne et un budget de démocratisation. Cette assemblée d'environ 400 personnes serait composée à 80% de parlementaires nationaux issus des pays membres, désignés à la proportionnelle et tout ce qui va bien pour assurer la représentation de tout le monde, et à 20% des membres du Parlement européen, eux aussi représentatifs, etc. etc. Pour éviter les blocages de quelques pays les récalcitrants, ne seraient concernés que les pays qui acceptent de voter le TEDEM. Les autres seraient invités en tant qu'observateurs. L'avantage, c'est que d'une part, les parlementaires nationaux sont élus démocratiquement et que d'autre part, ils ont un pouvoir important dans leur pays, ce qui donne à l'Assemblée européenne une légitimité encore plus forte. L'idée, c'est de doter cette assemblée d'un budget qui n'empiète pas sur les compétences européennes, mais qui lui donne réellement les moyens d'agir. Il s'agirait d'un budget dédié à la lutte contre les inégalités, au développement durable et à faire converger les politiques économiques, sociales, fiscales des États membres. Tout ça, ça serait financé intégralement par des ressources propres, dont un impôt progressif sur les hauts revenus, un impôt sur les bénéfices des sociétés et un impôt sur les émissions carbone. L'objectif, c'est de partir sur un budget de 0,4% du PIB et d'aller progressivement vers les 2,1% nécessaires à l'atteinte des objectifs de Paris. Alors ça, c'est un truc dont j'ai pas encore parlé. L'Eurogroupe, c'est pas une institution de l'Union européenne à proprement parler, c'est une réunion informelle des ministres de la zone euro, ainsi que du président de la BCE et d'un représentant de la Commission européenne. Le ou la présidente du Parlement peut y être entendu, mais n'y participe pas. Le peuple, c'est dangereux, tout ça, tout ça. Même si c'est un groupe informel, au fil des crises, c'est devenu un centre de pouvoir qui gère concrètement la politique économique de la zone euro et qui est opaque puisque son côté informel lui permet de ne rendre compte à personne. Dans le TEDEM, il lui est proposé que le rôle de l'Eurogroupe soit formalisé, ce qui permet de lui donner un cadre et un peu de transparence, et qu'en fait, il joue le rôle de deuxième chambre législative à côté de l'Assemblée européenne. L'intérêt de cette proposition, au-delà du fond lui-même et du fait qu'elle met en place un organe démocratique et a des moyens d'agir concrètement sur à peu près tout ce qui devrait être au cœur de la politique européenne, et qui n'est pas aujourd'hui, c'est que la proposition est, dans sa majorité, applicable dans le cadre des traités actuels. Pourquoi ? Parce qu'elle vient en plus de ce qui existe déjà au niveau de l'Union et qu'elle ne touche à aucune de ses compétences exclusives. D'ailleurs,
Comme ça que la zone euro a fonctionné aujourd'hui, en adoptant des traités comme le fameux TSCG de François Hollande, vous savez, celui qui devait renégocier, souvenez-vous. Par ailleurs, le TDM a, comme je le disais, une approche pragmatique. L'objectif, c'est bien sûr de faire en sorte de convaincre l'ensemble des pays de la zone euro d'une part, puis de l'Union européenne, mais il prévoit un mode de fonctionnement au cas où un nombre restreint de pays seulement l'accepte. Ajouter une nouvelle assemblée aux institutions existantes ne peut être que temporaire, on est d'accord. Il s'agit d'enfoncer un coin démocratique dans la construction européenne. Et une fois que c'est fait, bien entendu, l'objectif c'est de modifier les traités européens pour modifier les institutions elles-mêmes dans le même sens et donner enfin au Parlement européen l'initiative législative en élargissant les compétences européennes pour que l'UE prenne enfin les questions sociales et écologiques à bras-le-corps. Si l'idée d'un traité démocratique européen vous intéresse, la première chose à faire, c'est d'aller lire le traité lui-même et le manifeste qui l'accompagne, c'est sur le site de l'initiative tdem.eu. Vous en trouverez également un résumé dans notre livre, le manifeste des 10 révolutions, aux côtés de plein de bonnes idées pour la gauche dans les années à venir. Camarades, bonne lecture et à bientôt.